Kevin habite au milieu de nulle part, en pleine forêt cambodgienne, loin de tout, loin de tous, sauf des malades. Kevin est infirmier. Il vit et travaille dans un centre pour sidéens. Le centre Jean-Paul II pour la vieille a été créé par un prêtre catholique il y a à peu près 5 ans. Et il accueille 10 familles, 10 familles dont un à tous les membres le sida. Donc un à tous les membres, ça peut être une seule personne, mais ça peut être les deux parents et les deux enfants. Et donc ce sont des familles qui en général n'ont plus de ressources extérieures, qui n'ont pas trop de familles et qui n'ont pas les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. Kevin est là pour soigner ses malades, 24 heures sur 24. C'est une grande responsabilité, une tâche prenante et exigeante, mais ça lui plaît énormément. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette mission, c'est que voilà, je suis dans un cadre qui me plaît, je suis en immersion, et donc je suis en contact tous les jours avec une culture que j'ai choisi de découvrir. Si je compare avec un travail en France, où je commence mon service à 6h30, je finis à 14h30, après je coupe. Ici, tout est lié. Je travaille tout le temps un petit peu, je travaille tout le temps avec les gens, je suis tout le temps avec les gens, donc il n'y a pas de coupure dans ma vie, et ça pour moi c'est une grande richesse. C'est un grand bonheur aussi. Kevin n'aide pas uniquement les sidéens du centre Jean-Paul II. Il sillonne les campagnes alentour et visite les familles. Ce qu'on retrouve dans tous les villages, c'est qu'il y a des malades, et les malades ne savent pas où aller, ne savent pas se prendre en charge. Donc mon travail, moi, c'est de les accompagner dans leur démarche de santé, vers les hôpitaux, vers les ONG, vers le personnel de santé qui saura le mieux les prendre en charge, et à moindre frais, c'est mieux. Kevin ne changerait pour rien au monde sa mission. Elle lui convient très bien. Quelque chose qui me rend heureux, c'est l'unité de vie que je trouve ici. Parce que je suis infirmier, je suis chrétien, et j'aime bien les voyages, j'aime bien la rencontre. Alors ici, ça me permet vraiment d'avoir une unité de tous ces désirs. La vie ici, elle a vraiment du sens, enfin, dans sa cohérence, dans son unité. Toutes les choses auxquelles je tiens, je les vis. Plus ou moins bien, avec des accrochages, mais je les vis, j'essaie de les vivre à fond. Et ça donne une vraie unité, ça donne du sens à ma vie, là, vraiment. Je sens qu'il y a du sens, ça me fait avancer. Tout mon temps de volontariat, pour moi, est orienté vers la rencontre. Donc dès le départ, j'ai choisi d'apprendre très fort le Khmer, de m'intéresser le plus possible et d'aller le plus possible en immersion. Pas pour forcer la rencontre, mais essayer de me rendre disponible. Voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté, je suis là. Après, la rencontre se fait ou elle se fait pas, ça m'appartient plus, mais j'aurais donné tout ce que je peux. Kevin aime les Cambodgiens, il aime ses patients. À partir de là, il ne peut que bien les soigner. Au-delà des médicaments qu'il distribue, il donne son temps, il offre une présence. Finalement, il se donne lui-même. C'est de cela dont les Cambodgiens ont besoin. Kevin en est conscient.